Bonjour, aujourd'hui pour Basval Autoservice, on va faire fonctionner donc la Hotel MS906BT. Donc il faut savoir que sur cette tablette, uniquement sur ce modèle, elle est que en anglais. Ça, c'est un modèle vraiment spécifique sur la MS906BT, je répète. Elle fonctionne uniquement en anglais, malgré que dans le menu, elle propose multilingue. Mais on ne peut pas sélectionner, vous voyez. Elle fonctionne uniquement en anglais. À savoir que elle fonctionne en Bluetooth. Ici, il y a déjà le module Bluetooth qui a été intégré. Donc, je vais essayer de. Je suis désolé pour la qualité d'image, mais c'est avec un téléphone portable, c'est pas terrible. J'ai défait au niveau du pommeau de vitesse parce que le plastique était très difficile à retirer. Et là, je vais vous expliquer en fait le fonctionnement sur cette 307. Hein, voilà, pour ceux qui connaissent pas à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, on n'a aucun voyant au niveau du tableau de bord à part celui du frein à main, ce qui est normal parce qu'il est tiré, hein, tout simplement. Là, aujourd'hui, au niveau du terme de fonctionnement, c'est exactement que la Maxidas DS808, sauf que celle-ci, elle a un écran un petit peu plus grand de fonctionnement. Et là, on va faire une recherche automatique. Logiquement, il va trouver le numéro de série. Bon, après, sur certains véhicules, il n'est pas forcé de la trouver parce que pas assez d'électronique embarquée, par exemple. Ou alors, une anomalie avec le calculateur ou BSI. Hein. Donc, on va. Je coupe le son parce que, suivant les supports, ils peuvent nous considérer que c'est de la musique et donc nous supprimer notre vidéo. Donc là, ça fait un scan. Pendant qu'il fait le scan, bah voilà, hein. Je vous remonte le véhicule. Donc, nickel. Là, il est en route, hein, avec l'autoradio d'origine. Tout est d'origine, hein. Il n'y a aucune modification ou quoi que ce soit. Voilà. La voiture, elle est nickel. Alors, suivant voiture, ça peut être plus ou moins long en termes de recherche de numéro de série. Parce que logiquement, elle va retrouver toutes les fonctions. Donc après, ce qui peut bloquer pour certaines personnes, c'est que ça soit bloqué en anglais. Mais en termes de fonction, c'est tout pareil. Bon, là, il demande à ce que je rentre le numéro de série, a priori. Donc je vais le rentrer. Je fais une pause pour le rentrer. Donc j'ai rentré le numéro de série du véhicule et il me propose donc dans le groupe PSA ce que c'est comme véhicule. Donc on lui marque que c'est une Peugeot. Il est déjà enregistré normalement. Voilà, il se met en contact avec le bazar. Donc le numéro de série, a priori, il l'a retrouvé. Enfin, il coïncide avec ce que c'est. Donc vous voyez, sans rien lui dire, il sait que c'est une 307 avec donc le châssis. Des informations, diagnostic, autoscan. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, hein, et donc là il va rechercher toutes les informations du véhicule. Donc il va interroger tous les calculateurs présents dans la voiture, ABS, airbag, climatisation, qu'est-ce qu'il y a d'autre, ESP, moteur, boîte de vitesse automatique s'il y a, mais là c'est une boîte mécanique. Voilà, il va tout scanner. Donc là on a la progression, on est à 9%. Juste au-dessus, on a 13,98 V, ce qui veut dire que l'alternateur fonctionne bien, charge bien. Voilà. Donc le VCI en vert, ça veut dire qu'il est bien en connexion avec le module Bluetooth. Il n'y a pas de souci. Après, le gros avantage, c'est que voilà, hein, c'est une tablette complètement autonome. Voilà, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de câble, il n'y a rien. On peut l'emmener, on peut même sortir du véhicule, continuer le diagnostic tout en laissant l'appareil dans la voiture. Donc ça, effectivement, ça peut être pas mal. D'ailleurs, c'est beaucoup de clients la prennent pour cette fonction-là, d'ailleurs, parce que c'est assez sympa de ne pas rester sur le véhicule et de continuer, par exemple, sur l'administratif, etc., en même temps, dans le bureau. Donc là, ça progresse, ça met plus de temps, oui, parce que
peut-être qu'il a trouvé quelques anomalies ou autres. Donc, suivant le véhicule, ça peut aller dépasser la demi-heure. Et oui, plus la voiture elle est chargée en électronique embarquée, plus c'est compliqué pour communiquer. Donc, voilà. Donc, on va patienter. Et puis, je reviens après parce que si ça fait une demi-heure, la vidéo pour rien, ça sert à rien. Donc, je reviens tout de suite après. Alors, il a fini de terminer, on est à 100%. Ici, on a un point d'interrogation. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de problème ou autre, c'est tout simplement qu'il doit y avoir plusieurs motorisations. Donc, voilà, essence ou diesel. Et là, le type de moteur. Donc, sur celle-ci, c'est une 1.6 HD. C'est celui-là. Et c'est un. Alors, je ne dis pas de bêtises. C'est un Euro 4. Donc là, les troubles codes, donc c'est les codes défauts. Donc là, il relie. Et là, ce sont les problèmes qu'il y a sur le véhicule. Donc il y a un problème de régulation de pression de carburant. Ça, c'est circuit 1. Après, c'est le problème, c'est que c'est en anglais, donc il faut traduire. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que... Bah, j'écris directement sur une application de traduction et du coup ça traduit directement. Il y a aussi des traducteurs où vous pouvez prendre en photo et ça met directement en français. Donc voilà. 1 et 2 et ça au niveau d'un capteur à mon avis. Et en plus qui serait en court-circuit. Donc ça c'est en intermittent. En permanent, il y a que celui-là. Relais. Bon, après, l'avantage, c'est que on a ici les codes. Et on peut faire une recherche sur Internet. Comme là, il est en anglais, le problème, c'est que, par exemple, lui, si je fais cherche. Ah, mais il n'y a pas Internet. Il va chercher, en fait, le problème pour résoudre sur Internet. Et ça est quel qu'il soit. Celui-là, c'est le contacteur de frein, pédale de frein, a priori, qui a un problème. C'est intermittent. Bon, bah, ça peut être un simple nettoyage. Voilà. Donc, vous voyez, il y avait un point d'interrogation, mais parce qu'il y a plusieurs modèles possibles. Donc, on revient en arrière. Et donc, on peut faire. Ah oui, si on fait un rapport, en fait, ça va être de la totalité. Donc, il n'y a pas de problème perturbant le fonctionnement du moteur, bah, il y a zéro. Et ça, c'est pas au steering, c'est la direction assistée. Je sais pas pourquoi il me l'a mis, mais parce qu'il aurait pu mettre aussi ABS ou climatisation ou autre. Enfin, bref, bon, là, on est à. Parce que là, si on fait ça, donc trouble, peut faire une lecture, il va rien trouver. Trouble. Voilà, il n'y a pas de défaut à détecter. Ça, c'est bon. Alors, après, un truc qui est sympa sur la MS 906 BT. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui choisissent cette valise pour ça. Est-ce que je veux sortir? Oui. Bah, en fait, c'est quand vous êtes sur le menu. Oui. C'est le bip en fait pour dire que vous oubliez le VCI Bluetooth hein, dans la voiture. Hein, donc c'est pour ça qu'il bip. Vous avez accès à des services directs. Voilà. Vidange, les freins, surveillance des pneumatiques, remplacement de batterie, purge des freins, hein, et liquide, enfin tout ce qui concerne liquide de frein. Le FAP. Les clés, les cartes de démarrage, les injecteurs et les codages, les angles de braquage au niveau de la direction assistée, la suspension pilotée quand elle l'est, que ça soit à air, électrique, etc. Boîtier papillon, les fenêtres, apprentissage des fenêtres pour certaines marques et modèles.
Vous êtes obligé de faire un apprentissage par la valise. Vous avez aussi les sièges, le compteur, changement de langue. Ça, c'est très bien pour les importations des véhicules depuis l'étranger. Voilà, réglage des phares, mais aussi paramétrage. Par exemple, quand vous coupez le moteur la nuit, si vous voulez qu'il y ait un éclairage d'accompagnement qui dure encore quelques secondes après avoir fermé la voiture. Si vous changez la taille des roues et des pneus pour recalibrer le compteur. Le mode apprentissage. Alors ça, j'ai jamais eu besoin d'y aller, mais voilà, il y a cette fonction-là. Tout ce qui est ABS et ESP. Tout ce qui est au niveau du moteur. Le turbo. Alors sur certains véhicules, hein, minoritaires, vous pouvez enlever la bride électronique. Et donc du coup, vous pouvez donner un petit peu plus de vitesse à la voiture. Ça sera que de la vitesse, c'est pas de la reprogrammation, hein. C'est juste retirer des brides. Pareil, kit embrayage, boîte de vitesse, donc qu'elle soit robotisée ou automatique, c'est pareil. Vous pouvez faire les apprentissages. Les airbags. Et puis, donc, bien sûr, tout ce qui est options supplémentaires que vous pouvez rajouter sur le véhicule s'ils ont été de construction ajoutés mais non activés. Attention, hein, c'est très important de savoir ça parce qu'il y en a beaucoup qui nous demandent d'activer des options, mais la voiture, elle n'est pas du tout prévue. Enfin, elle n'a pas été construite avec ce genre d'options pour pouvoir les activer. Donc voilà, ça, ce sont des actions directes. Donc par exemple, celle qui est la plus demandée, c'est le FAP. Attendez, j'ai fait très vite, je sais plus si c'est celle-là, FAP. Donc là, on marque directement la voiture qu'on veut. Donc là, c'est une Peugeot. Peugeot, ici. Donc bien sûr, les messages à chaque fois qui apparaissent. Donc automatique. Le VIN, ici. Ah non, ça, c'est une 807. Ah, il n'a pas enregistré. On va faire lecture. Sept, voilà. Il a retrouvé. On valide. Les fonctions rapide, diesel. Tiens, pourquoi il met ça lui? Pourtant, c'est pas un 2 litres HDI. Spéciale fonction. Filtre régénération. Donc, régénération forcée, véhicule à l'arrêt. Ou alors régénération forcée, véhicule en mouvement. Donc là on est à l'arrêt. Je clique, je valide. Donc là il donne des informations, hein, que le moteur il va être accéléré à peu près pendant 7 minutes à 4000 tours. Et puis après, c'est une opération qui peut durer 3 minutes encore après, ce qui fait un total de 10 minutes. Régénération impossible. Bon. Alors c'est simple, pourquoi? Parce que tout simplement le moteur... Il est froid comme vous pouvez le voir, même si ça fait à peu près 5 minutes qu'il tourne, même plus, eh ben vous voyez que le moteur il est froid et pour cette raison il ne lancera pas la régénération forcée. Mais voilà, avec cette valise vous pouvez le faire. C'est ce que les garagistes nous demandent le plus dans les valises que nous vendons, donc que ça soit celle-ci ou la DS808, elles le font sans aucun problème. Voilà, donc ça c'est... Je reviens, diagnostic. Et là, on revient. Ouais. C'est la même chose. Après, L et R, c'est tout simplement le type
du moteur, mais là-dessus, ça ne change pas grand-chose parce que c'est le même. Pour la même fonction, ça pose pas de problème. Voilà, donc ça c'est pour la partie. Voilà, je quitte. Automatiquement, il me dit que il est encore branché. Regardez, je le retire. Voilà, et il s'éteint parce qu'il a détecté qu'il n'était plus alimenté. Savoir que vous voyez, il y a la lumière pour éclairer suivant les endroits. Voilà, donc vous avez quand même pas mal d'informations. Donc les mises à jour, elles sont automatiques, bien sûr. Là, il n'y a pas de mise à jour actuelle. Mais sinon, pendant un an, vous avez toutes les mises à jour qui sont complètement gratuites. Vous avez la possibilité de faire des factures directement, comme nous ici dans cet exemple. Vous avez toutes les informations concernant notre garage et que quand vous imprimez, vous avez tout simplement, avec là ici, vous avez les véhicules qui ont été interrogés tout simplement. Vous voyez, on a fait quelques diags avec, enfin quelques exemples. Et vous pouvez imprimer, donc si vous avez une imprimante Wi-Fi par exemple, vous pouvez imprimer directement de la tablette sur l'imprimante avec les données de votre garage. Donc tout ce qu'il y a ici seront imprimés en en-tête avec vos logos, etc. directement au client, ce qui fait qu'il aura vos coordonnées, enfin un peu votre carte de visite entre guillemets. Ici, vous avez donc la possibilité d'ajouter, donc ici, le bouton, le client, et vous donnez toutes les informations du client, donc son adresse, son numéro de téléphone, mais aussi les données du véhicule, la plaque d'immatriculation, numéro de série si besoin, etc. Voilà, donc ici c'est diagnostic, c'est tout ce qui est diagnostic en fait, quel que soit le véhicule, vous voyez, la marque, donc vous avez américaine, européenne, asiatique, chinoise. Voilà, vous avez toutes les marques, il y a des marques, on n'a jamais entendu parler, comme quoi on doit voir bien une ici, LT3, je ne sais pas à quoi ça correspond, Miandra, pareil, je ne connais pas, MAN LD, c'est les petits MAN utilitaires, qui viennent de sortir, là, ils ont à peine 1 ou 2 ans, bah voilà, vous pouvez faire les diagnostics sans problème. Vous avez aussi spécial de GTR, de chez Nissan. C'est qu'ils ont séparé par rapport à Nissan, tout simplement. Mais voilà, vous avez d'autres marques, c'est celle-ci là, jamais entendu parler pareil. Samsung, en fait, il faut savoir que c'est certains véhicules sont considérés comme Samsung, comme le Koleos, par exemple. Voilà. Mais sinon, vous savez tout, Tata. Vauxhall, c'est Opel. Alors, je sais même pas, oui, Opel, il est là aussi. Mais Vauxhall, c'est en version anglaise. Voilà, qui est ici. Et Holden pour la partie asiatique. Donc on va voir si on a Holden. Holden. A priori, non, il n'y en a pas. Il y a des marques, on n'a jamais. Enfin, voilà. Donc elle est assez complète, les mises à jour. C'est pendant un an, elles sont automatiques si vous avez Internet et vous n'avez rien à payer.